Voilà, alors j'avais déjà fait une vidéo il y a à peu près un an pour montrer les problèmes entre Free et YouTube. Aujourd'hui, ça recommence. Donc si vous êtes chez Free en dégroupage total, que le soir et le week-end vous constatez pardon, des lenteurs ou de la latence sur vos jeux en ligne, vous êtes peut-être concerné. Alors je vais vous montrer ce qui se passe un peu et puis la solution que j'ai trouvée. Donc là, c'est facile de constater. Il suffit de faire un test de connexion sur, par exemple, Journal du Net. Alors, on voit bien là, vous pouvez voir en bas à droite, c'est vraiment pas terrible. Là, on est un dimanche. Donc, le upload, bon, ça va, le upload, il n'y a jamais rien qui change. Ensuite, vous pouvez essayer de télécharger un fichier, par exemple, des drivers sur Nvidia. On va regarder la vitesse. Alors, comme d'hab, ça commence à fond. On va voir à quelle vitesse ça se cale ensuite. Ça descend, ça descend. Bref, ça descend et puis ça va se caler à peu près 120-130 comme on a vu sur le test de connexion. Donc ça, c'est ce qui se passe tous les soirs et tous les week-ends depuis à peu près 2 semaines pour moi, peut-être plus chez d'autres, j'en ai aucune idée. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appeler l'hotline ou pas. Enfin, ils vont vous faire faire les tests de free, les tests de débit. Que je vais aller faire tout de suite. Et là, comme par miracle, vous avez votre vitesse maximum. Il n'y a aucun souci. Donc ils vont vous dire que il n'y a pas de souci sur votre ligne, que on peut pas vous aider avec un problème qui n'existe pas, et que voilà, de toute façon, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Donc vous êtes bien emmerdé, du coup. Maintenant, je vais vous montrer la solution que j'ai trouvée. La solution, voilà, ça va être ça. Un VPN ou un réseau privé. Donc, je vais pas me gêner pour faire de la pub, hein, parce que moi j'ai pris celui-là, SecurityKeys. Ça me coûte 3 euros par mois. J'ai 20 gigas de limite de téléchargement en un mois, c'est suffisant, ça dépend de ce que vous faites, mais pour moi ça me suffit pour le jeu en ligne. Montrer comment ça fonctionne, c'est pas compliqué. Et le résultat. Alors, je lance le client du VPN. Je choisis un serveur vers lequel me connecter. Là, j'ai choisi Paris. C'est le plus proche. Pour une raison de ping en jeu, c'est plus pratique. Je connecte. Voilà. Là. Je suis connecté. Ensuite, je vais refaire les tests que j'ai fait tout à l'heure. Test connexion. Et là, étrange. J'ai ma vitesse maximum. C'est quand même bizarre. Alors bon. On va vérifier. Je vais aller télécharger sur le site Nvidia encore les mêmes drivers. Parce que d'après l'outline de Free, ce sont les serveurs de Nvidia qui avancent pas. Là, ça commence vite comme d'habitude, on va voir jusqu'où ça descend.
Bon, bref, vous voyez que de toute façon ça va descendre encore un peu, mais ça descend pas aussi vite que tout à l'heure, ça va s'arrêter à ma vitesse maximum évidemment. Voilà, donc c'est vraiment. Il y a un problème du côté de Chiffry, il y a un bridage, je sais pas comment on peut appeler ça, mais ils font quelque chose qu'ils nous disent pas, donc ils se foutent de notre gueule encore une fois.